ici, nous sommes sur le projet d'aménagement et de bitumage de la route Kota Kwande, qui est une route longue de 43,5 km. Donc, c'est un projet qui est subdivisé en plusieurs volets. Donc, nous avons le volet chaussée et le volet assainissement. Donc, dans le volet chaussée, nous avons plusieurs profils qui sont retenus dans le cadre de l'exécution de ce projet. Nous avons les profils qui sont aménagés pour les grandes agglomérations et les profils qui sont retenus pour les petites agglomérations, à savoir les petites localités qui sont traversées par le projet. Et ensuite, la grande agglomération qui est celle retenue dans l'agglomération de Kwande. Donc là-bas, nous avons retenu un profil à double voie. Donc actuellement, les études sont en cours pour définir le projet d'exécution. Selon les agglomérations que nous allons traverser, il y a des aménagements qui vont permettre le drainage et l'assainissement de la chaussée. Nous avons également un ouvrage d'art qui est situé au PK26-665, qui est un pont dans le tablier à poutre béton armé d'une portée de 40 mètres. Donc en gros, voilà un peu l'essentiel des travaux dans le cadre de ce projet.